Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa, bienvenue dans la troisième partie de ce tuto. Alors si vous tombez sur cette vidéo par hasard, sachez que vous êtes dans la troisième partie donc d'un tuto dans lequel je montre comment passer une photo de jour en photo de nuit. Et dans cette troisième partie, nous allons nous consacrer à finaliser l'image, mais auparavant, nous allons voir comment ajouter encore plus de profondeur à l'image à l'aide d'un effet de profondeur de champ. On va faire la mise au point sur une zone très précise de l'image avant de faire des petites corrections colorimétriques et de terminer le photomontage. Bien, alors pour ajouter du flou, je vais utiliser un filtre que j'aime bien. C'est le filtre qu'on a là qui s'appelle flou de l'objectif. Le flou de l'objectif a besoin d'une couche alpha pour fonctionner correctement. Donc une couche alpha, c'est une sélection qui a été sauvegardée. On en a déjà sauvegardé, notamment le brouillard. Et on va lui indiquer à ce filtre où se trouve la zone de netteté et où se trouve la zone de flou. J'aimerais, moi, que la zone de netteté, que le plan donc de netteté se trouve au niveau de la lampe ici. Ok, donc il va courir ici le long de cette façade. Ensuite, il va être là, le long de la route, et ensuite de l'autre côté, évidemment. J'aimerais que cette profondeur de champ soit assez courte. Alors, je vais l'indiquer avec des repères. Donc, j'affiche les règles avec contrôle R sur PC, commande R sur Mac. Donc, je vais cliquer dans la règle, tirer un repère, et voilà, dire que là, ça sera ma zone de netteté. Donc, forcément, en face, ce sera aussi net à ce niveau-là. Et le sol, évidemment, devra aussi être net. Donc, en fait, la zone de netteté, c'est ça, et ça, et ça. Donc pour faire une zone de netteté très précise, je vais avoir besoin donc d'une map de profondeur de champ, un petit peu comme celle qu'on a fait pour le brouillard. Alors je sais que depuis les nouvelles versions de Photoshop, on a ici galerie d'effets de flou qui nous permet de faire des simulations de profondeur de champ. Mais flou de l'objectif nous permet, lui, d'utiliser vraiment une map de profondeur de champ. Et je trouve que c'est beaucoup plus précis que les nouveaux filtres. C'est pour ça que je continue à l'utiliser, même si le processus est un petit peu long, vous allez voir. Enfin, à la fin, vous pourrez vous faire une idée de savoir si vous préférez les nouveaux filtres ou cet ancien filtre qui est pas mal du tout quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure, le groupe hein, du brouillard. Et ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais, dans un premier temps, que la route se poursuive ici. Parce que rappelez-vous, ce qu'on avait fait, c'était ça. Tac, on avait ici une zone très marquée qu'on avait été ensuite bidouiller pour estomper tout ça. J'aimerais que ça soit plus. Enfin, j'aimerais que la zone de netteté poursuive comme ça la route. Ça serait beaucoup plus intéressant. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce groupe, je le duplique. CTRL-J sur PC, CTRL-J sur Mac. Je cache bien sûr l'autre groupe. Et je vais le nommer netteté. Très bien. J'ouvre le groupe. Et je vais commencer par déjà peut-être cacher les éléments et me concentrer dans un premier temps sur la route. Voilà, qui est ici. Alors j'aimerais qu'elle poursuive ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ici l'outil lasso et je vais faire grossièrement une sélection de la continuité de la route comme ceci. Ok, alors par contre, j'ai pas envie que ici ça déborde. Alors grâce au masque de fusion qu'on a ici, je vais pouvoir restreindre ma sélection. Alors comment je vais faire? Vous voyez cette zone ici. Je vais faire Alt. Contrôle clic ici sur Mac, ce sera option commande clic. Et vous voyez maintenant, j'ai un petit moins à côté de mon curseur. Si je fais ça, clac, ça m'enlève cette partie. En fait, ça enlève la sélection qu'il y a là-dedans. Je vais faire la même chose à partir d'ici. Alt contrôle clic sur PC, option commande clic sur Mac. Hop, et ça me récupère ça. Donc maintenant, ici, dans le masque de fusion de la route, je vais remplir tout ça en blanc, donc avec mon pinceau, avec un flux de 100%, bien sûr. Hop, voilà, comme ça, j'ai la route qui arrive. Bien, alors la map de netteté qu'on souhaite faire fonctionne de cette manière. Tout ce qui sera noir sera net et tout ce qui sera blanc sera flou. Alors la zone de netteté, il faut qu'elle soit noire ici. Progressivement, ça va vers le clair et devant aussi, il faut que ce soit clair. Alors ce que je vais faire, c'est que ici, hein, c'est bien la route. Dans le calque de remplissage de type dégradé, je double-clique dessus. Je clique aussi sur le dégradé et je vais dire que la zone de netteté, qui est donc le noir, je la fais revenir, voilà, pour qu'elle corresponde à la zone ici que j'ai marquée avec les repères.
Donc ça peut être bien. Ok. Mais par contre, devant ici, il faut que ce soit flou aussi. Donc il faut que ce soit un peu clair. Donc je vais reprendre cette couleur-là, je clique sur cet arrêt-là et je reclique ici pour le reporter à ce niveau-là. Je vais le positionner au maximum à fond et là, je vais pouvoir corriger un petit peu la zone de netteté. Je vais la rapprocher de mes repères. Ok, comme cela. Alors ça serait bien peut-être que ce soit tourné un petit peu. Alors dans le sens inverse, les aiguilles d'une montre. Donc hein, j'utilise les flèches haut de mon clavier. Et avec majuscule, ça va plus vite. Ok. C'est peut-être un peu clair là. J'ai peur que ça soit un petit peu trop flou. Donc c'était ici. Hein. Je double-clique là et je vais assombrir un peu. Voilà, comme ça. Alors vous pouvez relever les valeurs que j'ai rentrées ici. 147. Ok. Et dans le fond, j'avais 177. C'est plus logique que ce soit plus clair là-bas. Ce serait même logique que ce soit encore plus clair. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que ce soit comme ça. Regardez, je vais le déplacer, ça. Hop. Et ajouter ici un arrêt très blanc. J'aimerais voir apparaître cette zone blanche là-bas. Voilà, peut-être comme ça. Et du coup, je vais déplacer encore la zone noire. Parce que j'aimerais vraiment que la lampe soit très nette, hein, vous comprenez? C'est comme pour le brouillard, on a essayé de ne pas trop l'estomper. Donc je clique sur OK, on va valider ça. Bien, alors maintenant, le plus difficile, c'est qu'il faut qu'on ait la même chose sur les murs en reprenant ce dégradé. Alors, comment on va faire ça? Ici, j'ai donc le masque de fusion qui m'intéresse, mais c'est ce dégradé-là qui m'intéresse, celui qu'on a fait sur la route. Alors, je vais dupliquer le dégradé de la route, donc je le sélectionne, je fais CTRL-J, OK. Et voyez, ce masque de fusion ici, je vais cliquer dessus et le glisser à la place du calque que je viens de copier. Alors, je valide ici. Ce calque-là, je peux le supprimer. Très bien, et je vais me concentrer sur ce dégradé. Je vais le tourner de telle sorte qu'on ait une continuité. Le trait noir ici doit monter sur la façade. Alors je double-clique sur le dégradé et je vais le tourner. Alors je vais le tourner comme ceci. Non, il me semble que c'est de l'autre côté, je dis des bêtises. Voilà, donc à moins 180 degrés. Ok. Alors je peux le déplacer juste en cliquant dans l'image, de telle sorte que ça corresponde à peu près à ce qu'on voit ici. Alors, je peux le restreindre, vous voyez ici la zone noire s'étale un peu trop. Je clique une fois sur le dégradé et je vais restreindre. Alors, je clique sur l'arrêt noir ici et ce losange ici, je clique dessus et je vais le ramener légèrement vers moi. Vous voyez, ça joue ici. Finalement, je vais le repousser un peu. Ok. Et par contre, ici, ce losange-là, je vais le tirer vers la gauche pour restreindre la zone de netteté. Voilà. À peu près comme ça. Je valide, je vais faire la même chose en face. Donc, je duplique à nouveau ce calque. CTRL-J. Ok. Je vais remplacer son masque de fusion par celui-ci qui correspond à la façade là, je le déplace, je le remplace et je valide. Ce calque, je peux le jeter à la poubelle, j'en ai plus besoin. Je double-clique sur le dégradé, il faudrait qu'il soit à zéro. Voilà, je le mets à zéro, je le déplace comme ceci. Je vais le mettre à peu près là et je vais étaler la zone noire. La zone noire qui est celle-ci que je vais. Donc c'est le petit losange hein, que je déplace. Alors peut-être pas trop. Alors faut faire attention de ne pas rajouter d'arrêt quand on fait ça. Faut bien cliquer sur le losange. Voilà, je veux dire que ça c'est bon. Alors ici, après, il faudra corriger cette zone-là. Parce que là, du coup, vous voyez, on a une démarcation qui n'est pas très, très jolie. Bien, alors c'est pas grave pour l'instant, on s'en occupera après, je valide et je vais faire la même chose avec la façade hein, qui est là, qui du coup doit reprendre ce dégradé là. Alors je vais ajouter ici, alors, je vais partir d'un dégradé déjà fait, encore une fois,
Je vais dupliquer ce dégradé, le dernier qu'on a fait, CTRL-J. Je remplace mon masque de fusion par le fond. Je supprime. Voilà. Et je vais m'occuper maintenant de le placer en dessous de la route. Je le déplace et je le mets en dessous de la route. Voilà. Et ici, du coup, le dégradé, je vais le faire de telle sorte qu'il reprenne ces couleurs-là. Je clique sur le dégradé. Je vais choisir, je pense, deux arrêts, ça devrait suffire. Donc je vais en supprimer deux. Je les fais glisser, je les descends. Celui-ci, c'est le plus clair, il est là. Je vais échantillonner cette couleur. Ok. Et l'autre qui est là, je vais échantillonner cette couleur-là. Voilà, ça c'est pas mal du tout. Par contre, peut-être que je pourrais remettre le losange au centre pour avoir quelque chose comme cela. Alors, faut faire attention de ne pas ajouter d'arrêt. Ok, alors ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on voit plus le lampadaire là. Je valide. On voit plus le lampadaire, c'est dommage. Normalement, ça devrait pas être si clair là, puisque vous voyez là, ce qu'il y a dans le fond, ça devrait pas être aussi flou que ce qu'il y a devant là. Alors, comment faire? Je vais identifier le problème, c'est ici. Donc je vais double-cliquer dessus et aller du coup, alors la zone la plus claire c'est celle-ci, réduire. Alors j'allonge, vous voyez, je déplace l'arrêt. Voilà, là ça me paraît un peu plus juste. Ok, alors je fais apparaître maintenant le ciel. Ok, très bien. Et je vais fermer ce groupe, je vais le garder très précieusement. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer, CTRL-J. Ok, je vais l'ouvrir et tout ce qu'il y a dedans, je vais l'aplatir. Je sélectionne tous les calques qu'il y a dedans. Je fais un clic droit. Et je vais choisir ici de fusionner les calques. Pourquoi? Car je vais maintenant m'attacher à estomper ces zones-là. Alors comment on peut faire ça? Très simplement, on va prendre ici l'outil lasso. Je vais faire une sélection ici. À partir de là, vous voyez le vélo. Hop. Je fais ça, je vais même agrandir la sélection comme ça, je fais une patate, je vais faire ici la même chose. Ok, là ici je vais très près du bord, je vais agrandir à nouveau la sélection. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Hop. Une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai ma sélection de prête qui est comme ceci, hein. D'accord, je vais aller chercher un filtre pour estomper tout ça. Je vais aller chercher un filtre qui s'appelle, dans le menu filtre flou, c'est flou par moyenne. Alors attention, ne prenez pas moyenne, c'est pas du tout la même chose. Donc flou par moyenne, et je vais rentrer cette valeur-là, 122 ou environ de 120, quoi. Et je valide en cliquant sur OK. Donc je désélectionne, vous voyez, ça m'a bien flouté les bords. Alors évidemment, là, si j'ai des petits... ça déborde encore un peu, là j'ai des petites démarcations, ça se verra peut-être pas dans le flou. Si vous voulez vraiment estomper ça, vous pouvez essayer avec l'outil ici, pinceau mélangeur. Faites en sorte d'avoir ici cette option qui est décochée, celle-ci cochée, humidité à 100%. La charge, vous pouvez la laisser aux alentours de 40, 30, peu importe. Le mélange, c'est pareil, vous pouvez le laisser à 10 et vous faites juste ça, vous faites juste un petit va-et-vient léger au niveau de la jonction. Ça devrait estomper la marque. Alors, faut vraiment être très doux. Hein. Voilà. Ici aussi. Tac, 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 voilà. À peine, à peine. C'est pas la peine de trop peaufiner. Si vous avez à peu près le même résultat que moi, ça sera pas mal. En revanche, je vais peut-être flouter un peu ça. Alors, vous pouvez prendre la goutte d'eau ici, qui se trouve là. Là, je vais réduire la taille. Je vais mettre une intensité aux alentours de 4,70. Ouais. Puis je vais passer tout autour un petit peu comme ça.
Voilà. Donc là, je vais cacher les repères avec contrôle 2 points, commande 2 points sur Mac. Donc là, on comprend bien ce qui se passe. Ce qui est net, c'est ce qui sera noir. Et ce qui est totalement flou, c'est ce qui est blanc. Ok. Donc je vais aller dans le panneau couche. Vous pouvez le chercher dans le menu fenêtre. Et ici, vérifiez bien que vous êtes sur RVB. Je vais cliquer sur cette icône pour créer la sélection à partir de ça. Et je vais aller ensuite dans le menu sélection, mémoriser la sélection, je vais l'appeler flou. Ok, donc vous voyez bien, si vous descendez dans les couches, que vous avez le flou qui est apparu, qui est exactement ce qu'on a à l'écran. Bien, je désélectionne tout, je reclique sur RVB, et je vais cacher ces deux calques de netteté et netteté copie. Bien, alors je sauvegarde mon travail surtout, très important après avoir fait tout ça. Alors je vais appliquer la netteté sur la compilation de tout ce qu'on a fait ici, puisque je ne peux pas appliquer ce filtre-là sur un objet dynamique. Donc je me mets ici sur le dernier calque actif, c'est celui-ci, c'est mon groupe brouillard, et je vais utiliser une combinaison de touches un peu grande, qui est majuscule CTRL ALT E sur PC ou majuscule commande option E sur Mac, et ça me crée un calque qui est en fait le composite de tout ce qu'on a fait. Je double-clique dessus, je vais l'appeler composition. Ok, et je vais aller chercher le fameux filtre dans le menu filtre, flou, flou de l'objectif. Ok, à source ici, vous allez aller chercher la couche alpha qu'on a enregistrée, qu'on a appelée flou. Vérifiez que vous êtes ici en flou de la distance focale à 0, c'est-à-dire que ce qui est noir, donc à 0, sera totalement net. Et progressivement, tout le reste sera flou. Vous pourrez augmenter la puissance avec le rayon ici. Si je mets le rayon à 100%, j'aurai vraiment un flou très marqué. En revanche, si je le baisse, ce sera beaucoup moins fort. Alors, je vais le mettre à fond, puis on va voir ce qu'on a fait. Donc, on voit très bien la zone progressive ici qu'on a créée et qui est très logique. On aurait eu du mal à faire ça avec galerie d'effets de flou. Vous voyez ici, le flou, comme il est progressif et en face, c'est pas du tout le même. Puisque c'est tout à fait logique qu'il soit comme ça. On l'a créé comme ça grâce à notre map. Donc je pense que cette méthode-là vous permet de créer des flous qui sont beaucoup plus réalistes, même si c'est plus long à faire. Je pense que ça vaut le coup quand même d'y passer du temps. Donc je vais pas le mettre si fort, je vais le mettre aux alentours de 80, 90, voilà à peu près. Alors, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de définir une luminosité pour les points lumineux qui sont flous. Vous avez un seuil ici, si vous le baissez, voilà, vous allez commencer à voir, voyez, les étoiles, et même la fenêtre ici. Alors bon, c'est un petit peu abusé ce que je suis en train de faire, mais c'est pour vous montrer. Et le flou, comme sur un appareil photo, est conditionné par la forme du diaphragme et le nombre de lamelles qui composent ce diaphragme. Et ici, donc, on a la possibilité d'aller définir, voyez, le nombre de lamelles qu'on a dans le diaphragme. Si je mets 3, on va voir tout de suite, vous allez voir, que le flou va changer d'aspect, va changer de forme. Voilà, avec une forme en triangle, j'obtiens ce type de flou. Ok, et si je souhaite avoir quelque chose d'un peu plus rond, je vais mettre ici hexagone 6. Voilà, ça va me faire, voilà, vous voyez la forme de l'hexagone ici. Vous avez aussi la courbure des lames. Si vous augmentez cette courbure-là, vous aurez quelque chose d'assez rond. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Oh, c'est un petit peu long à calculer quand même. Donc je vais baisser quand même hein, le seuil ici, parce que je ne veux pas voir les étoiles si brillantes. Voilà, je vais le mettre peut-être aux alentours de 252, voilà. Donc ok, vous pouvez régler tout ça comme vous l'entendez. Vous avez... Alors, en dessous, la possibilité d'ajouter du bruit. Alors, je ne le conseille pas, parce que ici, le bruit qui est créé par ce filtre n'est pas joli du tout, contrairement au bruit qu'on peut obtenir maintenant avec Galerie d'effets de flou. C'est dommage. Donc, je vais valider en cliquant sur OK. Donc, on peut voir avant, après. Je trouve que ça ajoute quand même une petite profondeur dans l'image qui est pas mal du tout. Alors il ne nous reste plus qu'à peaufiner un petit peu la correction colorimétrique. Je vais faire ça avec le filtre Camera Raw. Le flou, je vais le convertir en tant qu'objet dynamique. Je fais un clic droit, je vais chercher ici Objet dynamique.
et je vais aller chercher le filtre caméra RAW dans le menu filtre, filtre caméra RAW. Là, je vais faire quelques petites retouches de manière à donner un petit peu plus de présence à l'image. Je vais peut-être augmenter légèrement l'exposition. Alors, je vais cliquer là pour voir où sont les zones d'écrêtage. Elles sont là. Ou alors, j'appuie sur la touche Alt lorsque je déplace le curseur. Je peux aller jusque là, à peu près. Là, ça ne me dérange pas trop que ce soit un peu écrêté ici. C'est pas très grave. Ok, je vais réduire les noirs un petit peu. Voilà, juste pour donner un petit peu de contraste. Ensuite, je vais booster un petit peu le contraste. Donc, je tire le curseur du contraste légèrement sur, vers la droite. Voilà, je vais mettre 20 à peu près comme ça. Ok, donc si vous voulez voir avant, vous pouvez appuyer sur P. Donc, c'est là avant, après. Donc, c'est un petit peu plus contrasté légèrement. On peut ajouter un peu de vibrance. Ok, alors je vais le mettre aux alentours de 28. Et je vais aller ensuite cliquer ici sur réglage TSI. Et au niveau de la saturation, je vais booster un petit peu les jaunes. J'aimerais que la lampe soit un petit peu plus saturée. Alors pas trop non plus. Hein. Alors ce curseur-là, je l'attrape. Voilà, comme ceci environ. Donc on peut voir avant, après. Ok. Après, vous pourrez, si vous souhaitez, changer la température. Je ne vais pas le faire, mais si vous bougez le curseur température, voilà, vous allez pouvoir changer l'ambiance un peu de l'image. Et si vous voulez teinter un petit peu vos couleurs, si vous voulez apporter un petit virage, vous cliquez ici sur virage partiel, vous pouvez choisir la teinte et augmenter la saturation. Alors dans les tons clairs, je peux me mettre dans les jaunes par là. Et voilà, je vais obtenir ce genre de résultat. Donc là, j'augmente bien. Allez, la lumière ici, elle devient un peu jaune là, ici aussi. Je ne suis pas obligé d'aller si fort. Et après, vous pouvez faire la même chose pour les tons foncés. Et on va le laisser en bleu. Et on peut faire une balance ici. Voilà ce qu'il nous donne. Avant c'était ça, après c'est ça. Donc c'est un petit peu saturé à mon goût, mais bon, c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire. Voilà, donc amusez-vous avec tous ces réglages. Après, si vous retournez dans réglages TSI au niveau de teinte, vous pouvez dire que voilà, là il y a un petit peu trop de violet. Alors le violet, peut-être qu'on pourrait, si on se met dans teinte 1, baisser et le remettre dans les bleus, ce qui nous fait une différence comme ça intéressante de couleur. Et là, vous voyez, hop, je peux faire venir du cyan à la place du bleu, ce qui est aussi très intéressant. Je ne vais pas aller si loin, je vais peut-être rester comme cela. Voilà, et là, je peux dire qu'au niveau de la luminance, les bleus sont peut-être plus foncés, donc je vais pouvoir atténuer. Donc là, c'est pas du tout ce que je souhaite faire, évidemment. Les violets, c'est pareil. Ou au contraire, augmenter la luminosité de ces teintes pour obtenir quelque chose comme ça. Là, je trouve que c'est pas mal. Donc, on a avant, après. Et par contre, ici, je trouve qu'au niveau de la vibrance, c'est peut-être un petit peu fort. Je vais la réduire. J'ai pas envie que ce soit trop saturé. Voilà, donc avant, après, je vais valider en cliquant sur OK. Bien, alors je voudrais peut-être ajouter un petit peu plus de netteté dans les zones ici. Alors je vais ajouter un filtre dans renforcement, netteté optimisée. Je vais cliquer là pour bien voir à ce niveau-là. Et je vais dire que je fais un gain avec un rayon de 0,5. Un petit peu fort. Alors peut-être pas autant parce que du coup j'ai tous les artefacts, voilà, de l'image qui n'étaient pas de bonne qualité qui vont revenir. Alors je peux peut-être réduire le bruit un peu, mais c'est vraiment pas génial, hein, purée. Je vais réduire, je vais augmenter le rayon.
Ouais, l'image que j'ai choisie, elle est pas super. Je vais juste le mettre ici à 1,5 pixels avec une réduction de bruit à 40 et je vais valider. Donc on voit avant, après, j'ai juste ajouté un peu de netteté là. Mais bon, l'image est de base, elle est vraiment mauvaise. On peut dire que l'image est quasiment terminée. Je sauvegarde, bien sûr. Donc l'exercice était un petit peu long, mais il nous a amené à voir beaucoup de techniques intéressantes. Et vous pourrez vous amuser si vous souhaitez à allumer les autres ampoules. Alors par contre, il faudra bien sûr faire en sorte de le faire avant d'ajouter le brouillard et le flou dans l'image. Et bien sûr, avant de faire la dernière correction avec le filtre Camera Raw. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe de la page Facebook. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager et à commenter, cela donnera encore plus de visibilité à cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos ou des prochains cours. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto ou pour un autre cours.